On s'y retrouve. Alors j'ai un peu avancé, notamment dans du building. Je me suis un peu amusé avec les panneaux également. J'ai fait quelques petites sessions. Oula, ma souris qui déconne. Bon. Donc là, c'est un peu le bordel au niveau des command blocks. C'est moi qui ai fait des tests, justement pour ces magnifiques petits panneaux qui, en fait, permettent en un clic de se téléporter au lobby. Et il y en a un autre, c'est celui que je préfère, c'est celui qui est le plus utile à vrai dire, c'est l'aspirateur qui permet par exemple, si je jette tonnes de panneaux, hop là ils disparaissent. Donc ça permet comme ça de clear les items sans se tuer soi-même, donc en fait c'est un kill des items par terre, mais comme la commande est assez casse-pied à faire, permet de le faire facilement. Alors, tant qu'on y est avec les petits trucs pratiques, je vais vous montrer quelque chose. Comme vous le savez tous, depuis la 1.8, enfin, vous êtes censés le savoir, on peut copier, ben là, c'est ce qui se passe avec les panneaux. En fait, je pose un panneau avec un NBT dedans, et ça va marcher également. Les NBT vont s'appliquer sur tous les items qui possèdent un inventaire. C'est-à-dire, je m'explique que le four, je vais prendre un exemple, si jamais je prends un four, que je prends une échelle, par pur hasard, que je mets l'échelle dans le combustible, non, dans, voilà, ici, que je ferme le four, que j'appuie sur CTRL, puis sur la molette, et que je repose le four, je vais retrouver mon échelle dans le four. Donc ça, c'est un NBT. C'est une petite information qu'on a en plus sur l'item en question. Et ça marche également avec les coffres. Donc en fait, on peut arriver à se créer comme ça des petits sacs à dos. Et combiné avec le panneau de destruction, ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Ce qu'on va faire, c'est... On est des flippas, on va faire ça. Alors, on va prendre le dispenser, le dropper, le hopper, le bloc de redstone, le sticky piston, le piston, la torche, la plaque de pression en bois, le levier, le daylight sensor, le tripwire à la lampe, le bouton, dans les deux matières, le bouton. Après ça, évidemment, le grand classique. Et ça suffira. Et donc après on se retrouve avec un coffre, ici avec, on va dire, ah, quand même, on n'oublie pas le plus essentiel, hein. Surtout quand on fait des command blocks. On met notre command block ici, on appuie sur CTRL plus molette. Ah mince, c'est un trapez chest. Bon, ça change absolument rien. C'est pas grave, j'avais pas fait gaffe. Du coup, on se retrouve avec un coffre qui contient des items. À savoir que, évidemment, dans ce coffre, c'est ce que je vais faire tout de suite, on peut mettre nos panneaux. Comme ça, si jamais on meurt, voilà. Mince. Du coup, hop là. Et je vais faire ça. Et voilà, ils y sont plus. Nickel. Donc là, on a notre... du coup, je fais ça. Hop là. Je me retrouve avec ce coffre, comme ça. Ce qu'on va faire, limite... On va rajouter un petit jeu de mots tant qu'on y est. Alors, sac à dos laissant. Comprendront ceux qui comprendront. Ici on casse. Hop là, nickel. Donc voilà, donc ça permet quand même de faire des petits raccourcis dans la barre d'inventaire. Toujours très agréable. Bon, donc à savoir que le premier c'est téléportation au lobby, le deuxième c'est aspirateur. Alors, donc on va se retrouver au lobby. Voilà, quand je disais que c'était le bordel au niveau des command blocks, je mentais pas. On va aller dans la PvP box. Je construis, on va dire, le lobby. Le lobby de la PvP box, on va dire primaire, c'est-à-dire que ça peut changer. Avec 6 stands de kits, pour l'instant j'en ai inventé 3, on va dire. On va les créer réellement avec vous. Donc, on retrouve le même système de panneaux. Sauf que cette fois-ci, plutôt que d'exécuter une commande de téléportation pour celui-là, ou une commande de kill pour celui-là, on va exécuter une commande de 7 blocs. Donc, qui consiste en fait, ça revient à un bouton. Un bouton qui est très large et très agréable, visuel. Et très pratique à utiliser. Donc, ça va se voir dans le chat. Quand je vais appuyer, ça fait block placed. Alors, la commande qui exécute le panneau n'est pas visible par définition. Ça, c'est le petit système que je vais vous expliquer après. Alors, en dessous, on se retrouve avec ce petit système-là, qui est tout sauf compliqué. Je vais vous expliquer. Donc, on a un premier command block. Le bloc de redstone apparaît ici, hein. On va pouvoir le voir. Ça aussi, c'est pratique du coup, parce qu'on a juste à copier avec CTRL plus molette.
et on déplace notre système Redstone en soi. Enfin, on le voit même pas, hein. On voit que le fil de Redstone là-bas s'active, mais on ne voit même pas le bloc de Redstone apparaître. Ça, c'est incroyable, tellement c'est instantané. Mais on voit bien que le répéteur ici est activé. Et une preuve que ça marche bien, c'est que là, le guerrier, la commande, on la voit ici, guerrier Formula Master 07 to 1. Et normalement, si on observe, on est censé pouvoir voir, mais c'est bizarre parce qu'on ne le voit pas, le fil qui s'allume au-dessus du command block. Enfin bon, du coup, c'est pour vous expliquer tout ça. Donc en fait, un bloc de Redstone va être placé temporairement ici. Et le bloc, ce command block là, il va le détruire. Donc en fait, ça va créer une impulsion très rapide. Là, on le voit, j'ai à peine le temps de le poser que tout se fait en fait. Et le truc, c'est que lorsque j'utilise un set block, Minecraft fait les calculs à l'avance. Et du coup, il affiche pas le truc parce qu'il sait qu'instantanément, il va disparaître. Alors donc, un premier command block qui va set un scoreboard guerrier pour le joueur le plus proche à 1. Pourquoi donc? Parce que tous nos gives ici, ils vont être donc en rapport avec celui-là, avec cette commande. Alors je vais m'expliquer. Pour faire simple, lorsque le bloc de redstone va être mis ici, un fil va être le fil va être alimenté, donc les command blocks en dessous également. Dans ces command blocks, on va mettre tous les items que l'on va vouloir que le joueur reçoive. Donc le principe, c'est que si jamais ce command block là, il va exécuter un give comme les autres. Si jamais un joueur se situe là, ici, il sera la personne, le joueur le plus proche de ce command block. Et donc il recevra par exemple un item de la personne qui est juste à côté du panneau et qui clique sur Kill Guerrier. Donc en fait, le scoreboard qui est juste en dessous de la cage va donner on va dire, une condition en plus aux autres command blocks. Cette condition est qu'il faut avoir le score guerrier à 1. Donc, ça va mettre le score guerrier à 1 pour la personne la plus proche. Et donc après, où que se situe le command block sur la map, s'ils ont comme condition que le score guerrier doit être minimum 1 ou 1, et ben ça va donner les items à la personne la plus proche qui possède guerrier. Or, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, avec un tick de décalage, alors, au début j'avais mis que des comparateurs et puis je me suis dit que vu que là c'est instantané, un seul tick suffit pour décaler. Ici on repasse à 0, avec toujours le score guerrier minimum égal à 1. Pourquoi? Ben parce que comme ça, une fois que la personne a reçu tous ses items, eh ben elle n'est plus comptée comme la personne qui a sélectionné le kit. Elle va se retrouver avec ses items, et si quelqu'un passe derrière, ce sera forcément elle qui recevra les items. Sur mon ancien serveur, j'avais fait des sortes de cabines où le joueur rentrait et avec un test fort, il était détecté, ça se refermait derrière lui pour être sûr que c'était lui le joueur le plus proche et qu'il n'en avait pas d'autre. Seulement, ça faisait un peu rudimentaire et puis les items se faisaient give lentement. Puis, cette technique sera donc plus rapide. La même chose ici. On a un deuxième kit qui s'appelle le kit archer. Même chose, block placed, archer, builder master 07, 1, 0, 1 et puis ensuite 0. Pareil là, là j'ai pas fait les command blocks de scoreboard. On va pouvoir le faire ensemble comme ça. Tiens, si en plus je l'ai fait. Tiens, c'est bizarre que ça marche pas. Ah oui, je sais. Voilà, ça marche bien mieux comme ça. Et là, normalement, si je clique, 1, et puis pour toi, voilà, lui je l'ai pas mis. Alors on va le faire ensemble comme ça, c'est pratique. Donc on copie cette commande, on la colle. Dans ce command block, CTRL V, on va faire la petite modification. Donc ici, il faut que le score mage min soit égal à 1. Hop là, 1. Et évidemment, notre objectif, c'est pas de le remettre à 1, c'est de le mettre à 0. Voilà, donc là, normalement, ça va marcher. Voilà, donc 1-0, block placed, tiens d'ailleurs c'est normal, c'est pas normal, non, c'est censé d'abord faire un block placé. Mais ceci dit, ça change rien. Ça change absolument rien, vu que le block placé, en fait, c'est l'arrêt de la cloque. Et donc, on peut faire un test, comme quoi si ici je mets diamond. Ouais, il faut que je mette Minecraft dedans. Minecraft 2. Diamond.
Tiro du bas, sword. On va voir. Si jamais ce command block s'exécute avant, je n'aurai pas le score mage minimum égal à 1, donc je ne recevrai pas cette épée. Si je reçois l'épée, c'est que ça marche. J'ai reçu l'épée. Donc c'est que ça marche. Alors, donc ensemble, on va compléter le command block. Alors, bon déjà je vais enlever cet épandiamant, ce serait bête que ce soit un item qui reste ici, on va dire. Puis après on se posera des questions, mais d'où elle sort cette épée en diamant? Hop là, voilà. Alors, donc le kit guerrier, je pensais à un stuff en diamant. Lorsque la personne va se retrouver avec le stuff, on va dire que ce qui est intéressant, c'est de mettre le stuff de la personne directement, on va dire, sur ses épaules, histoire qu'elle n'ait pas à l'avoir dans son inventaire. Alors donc on va mettre l'armure en dernier, parce que c'est pas ce qui presse. Et on va commencer par l'épée. Alors donc, on va donner à la personne la plus proche, qui a le score de guerre minimum 1, une Minecraft 2 points diamond. J'ai mis point virgule. Minecraft 2 points diamond avec un D. Sword. Alors, on lui en donne une seule avec un data tag de 0. Ça va être en fait la durée. Hop là, désolé. Alors, donc, je disais, alors, donc, une épée en diamant, donc Diamond Sword. Diamond Sword. Donc, ici, on en donne une seule. Là, en fait, ça va être la durabilité. Si jamais je mets 1, il va lui manquer une de durabilité. Si jamais je mets 300, il va lui en manquer 300. Nous, ça ne nous intéresse pas, on veut qu'il lui en manque 0. Et ensuite, donc c'est très important ce 0, il ne faut pas l'oublier, sinon il ne va pas comprendre. On va l'enchanter directement. Alors, donc pour cela, on ouvre une accolade, enchante, 2 points, on ouvre un crochet et encore une accolade. L'idée, donc l'identifiant de sharpness, donc de tranchant, c'est... Non, c'est pas 48. Ta petite vérification, je vais aller voir. Alors, donc, me revoilà. D'identifiant 16, donc sharpness c'est 16. Je vais regarder. Alors, 16 et de niveau, donc level, on va lui mettre 3 par exemple. On va essayer tout de suite voir si ça marche. Si c'est virgule, pas point virgule, déjà ça c'est mieux. On va voir si en appuyant sur le panneau, on reçoit bien une épée Sharpness 3. Wow, ça commence bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Normalement, il y a une autre pute qui va me dire ce que j'ai oublié. J'ai dû faire une faute de frappe, hein, parce que je sais que c'est ça. ID16. Dead player cannot be found. Kermion 1. Et on a vu tout à l'heure que ça marchait bien, pourtant. Étrange. Tiens, parce que là-bas ça marchait. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est censé marcher. Score guerrier minimum égal à 1. Là ça le met bien à 1. 35. Il est bien 18h35. Guerrier de minimum. Non, c'est censé fonctionner. Peut-être que c'est. Il faut pas mettre minimum 1 mais minimum 0, mais ça m'étonnerait. Si je mets minimum 0. Que du coup il trouve pas avec les trucs. Que ça, je pensais que ça. Ouais, c'est ça. Bon, ok, il va falloir que je modifie ça. Je modifie ça sur tous les command blocks, on se retrouve juste après. Et nous revoilà, j'ai fait la modification. Alors en fait, après, j'ai encore eu un doute. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que. Plutôt que de passer ici en minimum 0, j'ai gardé le minimum 1, mais en contrepartie, je mets à 2. Comme ça me laisse le décalage. Et là, normalement, maintenant, si j'essaye avec le panneau, c'est censé me donner l'épée. Pourquoi est-ce que ça me donne pas l'épée? Dead player cannot be found. Là, c'est pas normal, par contre. Parce que minimum 1, si je suis à 2, on va, ce qu'on va faire, c'est on va augmenter le délai.
C'est fou ça. N'y a pas de raison que ça me fasse ça. C'est pour ça, ça. Parce que. 18h41, donc c'est bien. Je l'ai bien exécuté la commande. Donc, guerrier minimum 1. Là, moi, je suis à 0, mais je passe bien à 2. Si je mets le délai au maximum. Voilà, on sent qu'il y a du délai. Bon, en fait, je sais savoir pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il faut qu'ici, je mette un petit répéteur. Comme ça, il va y avoir un délai avant qu'il essaye de give. Non, je me suis trompé. C'est pas là, c'est ici. Alors, on va le décaler. Hop là. Ouais, ici, c'est bien. J'étais en train de réfléchir. Ce panneau, c'est quoi? Kit garé, sélectionné, on s'en moque. Hop là. Et je mets un petit répéteur là. Avec un petit bloc au-dessus. Il va falloir faire cette modification partout, du coup. Là, normalement, c'est censé marcher. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Ah mais non, je suis bête, c'est l'inverse. Il faut que ici ça passe à 2 très rapidement. Oh là là, je me perds. Est-ce que c'est le bon command block? Pas du tout. Ça doit être toi alors. Voilà, c'est toi. Ici, il faut que ça se fasse rapidement. Hop là. Crotte de bique. Là, c'est bien. Et ici, il faut mettre un petit répéteur. Voilà. Et là, c'est censé marcher. En tout cas, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sinon. Voilà. Et là, je l'ai. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait. C'est parce que au moment où ici je reçois, au moment où la commande est exécutée, ce command block n'a pas encore agi. C'est-à-dire que il essayait de trouver un joueur qui avait guerrier minimum 1, alors que moi je n'avais pas encore reçu le statut de guerrier minimum 2. Or ça, je ne sais pas pourquoi, parce que ce command block est plus loin en soi. Donc si ça reste un minimum logique, il aurait dû recevoir avant. Donc on va faire cette petite modification partout parce que je sens que ça va nous agacer. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve avec une épée en diamant. On modifiera les noms après des épées. Hop là, pour l'instant, on va donner les items et les enchantements. Alors le kit guerrier, c'est un soldat, c'est un bon soldat. On va lui donner des Minecraft de points golden. Carotte. C'est deux R, un T, je crois, en anglais. Carotte, c'est comme ça. On va voir si ça marche. Est-ce que ça va bien nous donner une carotte? Bizarre. Ça nous a bien donné une golden carotte. En sachant que la carotte en or est la meilleure nourriture du jeu, en tant que saturation, pas en tant que remplissage de nourriture, mais c'est celle qui va rester le plus, on va dire, au corps. On va lui en donner 16, parce que 16 suffisent. Voilà, donc après on peut aller le retester, hein, mais normalement, il n'y a pas de problème. Hop là. Si, j'ai bien reçu 16 carottes. J'ai pas perdu mon sac à dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser ici. Et je vais me clear histoire de récupérer un peu tout ça. Ah ben, je suis... Bon, voilà, il suffit de faire ça. Du coup, je reçois un trapez de chest et des panneaux. Que je peux... Voilà, remettre dans le coffre. Alors, une seconde. Là. Voilà. Donc, ensuite, donc en cliquant sur ça, on reçoit bien notre épée 16 carottes presque instantanément et dans le bon ordre. C'est ça qui m'intéresse en fait. C'est d'avoir un give instantané dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner à ce gentil monsieur maintenant? Le guerrier, il a une très bonne épée, il va avoir une bonne armure. On va lui donner du protection 1 diamant. Surtout depuis que la 1.8 est sortie, c'est vraiment violent. Par contre, on va pas lui donner d'arc, hein, parce que s'il se retrouve avec une armure puissante, une épée puissante et un arc nul, même si c'est un arc nul, ça fait quand même un minimum de dégâts. Du coup, on ne va pas donner... d'arc. Ah, je sais ce qu'on peut lui rajouter, par contre, là aussi je reviens tout de suite, je vais regarder à quoi correspond l'idée knockback, je crois que c'est 15, on va pouvoir vérifier ensemble comme ça. Alors,
Alors, donc, voilà, charge petite page. Oula, c'est bien. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà, alors, on va aller aux enchantements qui sont un peu plus bas. Donc, hop là, je suis dépassé. Non, je n'ai pas dépassé, c'est en dessous. Donc, châtiment, knockback, c'est 18 peut-être. Peut-être 18, ça me dit quelque chose que ce soit 18. Non, c'est flot des arthropodes. Alors, c'est 19. Voilà. Alors, donc, on va rajouter un autre enchantement. Donc, pour cela, on a notre enchantement qui est situé entre crochets. Donc, les crochets sont ici. Et pour ajouter un autre enchantement, on ne va pas remettre des crochets encore une fois. On va remettre une accolade, par contre, parce que là, ça délimite, on va dire, l'enchantement en lui-même. Et le crochet désigne tous les enchantements. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un seul. Donc, on pourrait dire, si on ne met qu'un seul enchantement, on pourrait dire que c'est inutile, les crochets. Mais si on en met plusieurs, ça prend son utilité. Donc, cette fois-ci, idée 2.19. Au level, on va le mettre 2. Voilà. Comme ça, c'est bien. On va retester si le gif fonctionne bien. Non, je devrais me retrouver avec 32 carottes et une nouvelle épée en diamant qui est Sharpness 3 Knockback 2. Voilà, parfait. Alors, après, on pourra également renommer les armes, etc., histoire que ce soit rigolo dans le chat. On va ensuite passer aux armures. Donc, Minecraft 2 points Diamond. Hop là, j'ai mis une majuscule. Pourquoi donc? Diamond helmet. Alors ils se sont amusés à mettre un peu. Ah non, on a dit qu'on s'occupait de 7 blocs, enfin non, de mettre directement dans l'inventaire du joueur l'item voulu. Alors donc pour cela, il me semble que c'est replace item entity Builder Master 07. Slot, ils y sont tous, donc on va mettre par exemple, non c'est pas head, tête top, bref, ce que je sais c'est qu'il y a leg, c'est pas slot, ça doit pas être slot, il faut regarder, alors il y a des slots partout, ah c'est slot, voilà, alors c'est slot, point horse, n'y a pas head, or en tout cas non, il y a legging, attends, avec un h slot point normalement ender chest slot container. Oh, je savais pas qu'on pouvait mettre des items directement dans l'ender chest du joueur, c'est intéressant à savoir. Slot villager, alors on a la hotbar, donc en fait ça revient à notre div, on va pas se compliquer la vie à modifier l'inventaire du joueur. Slot container, slot inventory, donc ça c'est pas dans le. Ah, c'est slot armor point, voilà. Alors c'est slot point armor. Point armor point, et là non, si je mets HE, je trouve head. On met Minecraft 2 points Diamond donc après hop là c'est lui ah c'est ce que j'ai non 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 c'est bon Minecraft 2 points Diamond Helmet donc là normalement magie j'ai un casque en diamant nickel si maintenant c'est plus head donc on avait vu que c'était chest pour le corps là normalement. Ah oui, effectivement, ça va avoir du mal. Mettre un casque sur le plastron. Voilà, donc j'ai un plastron désormais. Et maintenant, c'est là que je parlais leggings. Encore le même problème, hein. Si c'est pas lui, c'est l'autre, évidemment. Là, c'est legs. Voilà, pour les jambes. Et ici, c'est plus diamond legging, maintenant, c'est diamond boots. Et ici, ça va plus être legs, ça va être feet.
Voilà, nickel. Donc je me retrouve équipé en diamant. Alors après évidemment nous, on va copier tout ça en remplaçant le Builder Master 07 par... on va faire ça, on va prendre le premier. Donc celui-là, CTRL A, CTRL C. On va aller dans notre command block, qui est bien celui-là, en troisième command block. Ce n'est plus désormais un give, mais un replace item. Replace item. Voilà. Limite, je fais... ouais. Voilà, je me retrouve avec ça. Qui se retrouve en arrobase p de score le score c'est guerrier égale non guerrier tiré du bas min égale la égale 1 on faire oui c'est ça c'est bien décroché donc replace item entity c'est la personne la plus proche sur le set armor head on met un diamond helmet et là de nouveau on met un seul diamond helmet et on va modifier donc on va l'enchanter hop là id là j'ai fait un fail c'est le crochet puis la collade alors id 2 points c'est 0 pour protection level on met protection 1 ou protection 2 1 c'est déjà assez fort comme ça. Protection 1, hop là. Et donc, là, normalement, quand on va se retrouver normalement en cliquant avec une épée de nouveau, encore des carottes, et puis un casque protection. Hein. Nickel, que demande le peuple? Ensuite, on va copier cette commande. Non, pas celle-là en plus. C'est celle-là. CTRL A, CTRL C. On va la CTRL A, CTRL V ici en modifiant deux choses. C'est plus helmet mais chest plate. Et ici c'est plus head mais chest. Voilà. Ici CTRL A, CTRL V. Ici ce n'est plus helmet mais bien leggings. Leggings. Et ici ce n'est plus head mais legs. Et donc ici on a nos trois commandes. Qui fait head, chest et legs. Ici, CTRL A, CTRL V, on se retrouve avec le même. Ici, ce n'est plus head, mais feet, donc le pluriel de foot en anglais, qui veut dire les pieds. Et ici, diamond helmet, donc ça va être diamond boots. Nickel. Voilà. Et donc là, normalement, quand on va cliquer sur ce panneau, hop là, on va se retrouver à le placement n'a pas fonctionné. Étonnamment, on va recliquer pour tester. Visiblement, le placement n'a pas marché. Ouais, le placement ne marche pas. Alors, il y a une erreur quelque part. J'ai dû, à coup sûr, j'ai mis genre une helmet, voilà. Non, je suis pas sur le bon. Chest. Ah, j'ai mis chest. Ah non, j'ai mis chest pourtant. Diamond, chest. Ah, j'ai oublié le T là. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et donc là, si on clique, maintenant, on va se retrouver avec des tonnes d'épées. Voilà, on voit bien que 103, 101, 102 et 100 ont été remplacés par du stuff en diamant protection 1, que j'ai bien reçu mon épée en diamant sharpness 3 knockback 2, et que, voilà. Alors, après, il faudra qu'on s'amuse à modifier le nom. Je ne sais plus ce que c'est. Truc, il me semble... Ah non, ça c'est après le name de point. Je regarderai sur internet. Ou limite, on le fait ensemble. Alors, donc. Hop là, c'est bugué pour le screen. Alors, donc, on met modifier. Ou non, give. Un item. Un item avec un nom. Modifier. Hop là, alors, give an item modifié. Voilà, renommé en couleur. Donc, monsieur va nous apprendre, enfin nous apprendre, me réapprendre, peut-être vous apprendre, je sais pas. Alors, j'ai l'impression que là c'est avec Bucket. Ouais, c'est ça. Modifier, bloc de commande d'un objet avec un nom. Nickel. Voilà, du coup, toi, je te ferme, toi, tu sers à rien, tu pues. Donc Pico 3 va nous Pico 43 va nous apprendre ça.
Idée du bloc display. Ah voilà, c'est display et puis après name et lecteur. Donc on se retrouve avec nos deux accolades du début. Donc celle-là, on ne va pas les copier. On va prendre uniquement la partie du milieu. On ne va pas appeler l'épée elector. Je vais pouvoir fermer Firefox. Alors, donc, c'était ici. On va rajouter là. Donc on met une petite virgule, CTRL-V. Display. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Display name, et on va mettre elector. On va mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Katana. Donc, normalement, maintenant, quand je vais me give une épée, alors, est-ce que ça a marché? J'ai pas l'impression qu'il ait aimé. Il n'a pas apprécié que je renomme l'épée. Peut-être qu'il y a un ordre à faire, qu'il faut le mettre avant. Alors, data tag parsing failed. Pourtant, il me semble que c'est ça. C'est bien display. On va essayer de le placer à l'avant. J'ai toujours en tête, on va dire. Hop là. Donc, on le met. Hanche. Ah mais je sais pourquoi. C'est parce que voilà, unbalanced bracket. C'est parce qu'on a même mis hanche. Donc ici, il faut mettre virgule. CTRL-V. Là, il faut une autre. Notre accolade, parce qu'il y a celle de la fin, il y a celle-là qui s'ouvre et celle-là qui s'ouvre. Ah non, c'est celle-là qu'il faut que j'enlève, celle-là qu'il faut que j'enlève. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Là, ça marche. A priori. Hop là, on essaye. Et ça nous a bien. Ah, j'ai pas modifié, non, il s'appelle l'élector, du coup. On va le modifier en katana. Alors, à savoir que quand on fait des commandes blocs, là je le fais pas en vidéo parce que c'est pas très agréable, il faut utiliser des logiciels de type Notepad++ qui sont très pratiques, et qui sont en fait des traitements de texte basiques et très simples, qui font pas lag du coup, sans mise en page, etc. Mais qui permettent tout de même d'avoir une vue globale de la commande que l'on rend. Fail. Alors, donc, maintenant, on peut essayer. Si mon sac à dos normalement est toujours là, je vais me clear en entier. Voilà. Je clique sur le kit guerrier et je suis prêt pour le combat. C'est-à-dire que j'ai ma nourriture, mon épée qui s'appelle Katana et mon équipement en diamant. Je peux donc aller me diriger vers la sortie pour aller tuer mes adversaires. Alors, donc, ensemble, on va faire le kit guerrier, le kit archer. Alors, le kit archer. On va lui donner une épée en fer. Or, donc, on lui donne un 0. Non. D'abord, Minecraft, 2 points. Hop, 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 c'est Iron Sword. Iron Sword, on en lui donne une seule, que l'on va enchanter. Hop là, avec, donc, cette fois-ci, je m'en souviens, il s'agit de l'idée numéro 16, que l'on va mettre, virgule, au level de point 1, et on va également lui mettre un second enchantement, et en fait, si tu veux, ça va être un peu l'opposé de ce qu'on avait là-bas. Idée de point 19, level de point. On va le mettre au level 4. Alors normalement le knockback 4 n'est pas disponible en jeu. Sur une épée normalement ça renvoie bien loin. On va peut-être mettre le 3. Je ferai des modifications si jamais il y a besoin. On va alors ensuite c'est display 2 points. Hop, name 2 points. On ouvre les guillemets. Et on va mettre tourbillon devant. Ah, nul comme nom. Tourbillon devant, ça parce que ça propulse. Hop là, on ferme ça. Et on ferme ça. Alors on va essayer, voir si ça nous donne bien une épée appelée tourbillon devant.
Bon, ça commence. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis honteux pour cette faute. Ah, bah, de toute façon, ça marchait pas. Disons que j'ai oublié de mettre le fil par-dessus. Donc, je vais y remettre tout de suite. Disons que pour les autres items de l'inventaire, ça n'aurait pas fonctionné. Alors là, essayons de comprendre. Unbalancing, Curry, Curly Brackets. Ok, donc. Là, il y en a une de trop, en fait, j'avais pas vu. Il y en a juste une de trop, elle devait être cachée lorsque j'ai fait. Hop là. Et donc là, on a bien notre épée, Sharpness 5, Knockback 4, donc qui est relativement faible face à celle-là, mais qui a un knockback très important. On va essayer sur un pauvre animal, comme par exemple, ou pas forcément sur un animal, on va le faire sur une witch. Witch, c'est quoi déjà la couleur de la witch? Hop, 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 hop. Bon. Hop là, witch. Ah, effectivement. Fallait le savoir. Ça fait un peu Pokéball avec le ressource pack. Donc, ça envoie bien loin, hein. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que le Kitarchi, il va pouvoir courir, hop, mettre un coup d'épée, prendre l'arc, tirer, revenir au combat, hop, mettre un coup d'épée, prendre l'arc, etc. Du coup, peut-être que ça vaut pas tellement le coup de mettre du knockback si puissant. Peut-être mettre un knockback 1 uniquement sur l'épée, histoire de pas envoyer valser l'adversaire trop loin. Je pense que ce sera mieux comme ça. Alors, ensuite, l'archer, il a le droit à la même nourriture que monsieur le guerrier. Donc, pour ça, on sélectionne, on fait un petit copier-coller. Il faut savoir prendre, il faut savoir gagner du temps hein, quand on fait des commandes blocs, parce que c'est surtout ça qui va nous pénaliser. Alors, le kit archer, je vous propose de mettre une petite armure en fer. Armure en fer, donc ça va être là. Donc, comme tout à l'heure, ce n'est plus un give, mais bien un set. Non, un. C'est un replace item, voilà. Replace item, hop là. Donc, sur entity. Oh non, c'est d'abord entity. Replace item, entity. La personne la plus proche. Ensuite, c'est slot. .armor.head. Donc Minecraft 2.iron helmet là 1-0 et on lui met comme enchantement on va lui mettre comme enchantement on va dire résistance aux projectiles. Ah ben on est quand même bête hein. Enfin moi je suis bête. Je finis cette commande, puis ensuite je place avec les commandes précédentes. Parce qu'un petit archer où il n'y a pas d'arc et pas de flèche, c'est pas top. Alors, donc, Iron Helmet d'enchantement. On va lui mettre donc projectile contre les protections. Ça, c'est l'idée 2 de mémoire. Enchant, hop là, id 2.2. Non, mais c'est la place explosive. Bon, c'est soit. Soit projectile, soit blast. Protection. Level, on va le mettre au niveau 3. Comme ça, en fait, les archers ne seront pas très forts face à eux-mêmes. Enfin, si, mais pas très très forts. Parce que si je mets un arc Power 3, Power 3, Punch 2, face à archer, ça va être très très puissant. Donc, je suis obligé de mettre une projectile protection assez forte. Ensuite, c'est tout. Après, normalement, la durabilité, c'est pas censé être un problème. Hop là. Donc, on va tester juste si ça marche, parce que j'ai fait la commande de tête, on va dire, au niveau de l'ordre des critères. Et ça nous a bien mis un casque en fer, Feather Falling 3. C'est pas du tout ça. Ce qui n'est pas normal, je comprends pas. Du coup, on va aller ensemble vérifier sur Internet, encore une fois, ce qu'est... Que projectile protection. C'est bizarre qu'ils mettent Feather Falling ici en fait. Alors, normalement j'ai mon historique. Alors. Give un item avec un nom modifié. Voilà. Non, c'est pas ça en plus. Nonoïa. Qu'est-ce que tu m'as quitté toi? C'est enchantement. Voilà. Sur le wiki Minecraft. Il met tout le temps du temps à changer, c'est bizarre. Alors, projection. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Projection contre les explosions. Et donc, c'est le 4, projectile protection.
Comme quoi, ils sont pas très logiques. Je disais, ce second bloc, on va le copier. On va le mettre deux rangs plus tard. Parce que ici, on va copier le commande bloc qui est là pour remplacer celui-là. On va mettre du fil par-dessus ici. Donc ici, normalement, on a bien notre commande bloc. Voilà, avec là. Avec ce qu'il faut ici. Limite, j'hésite à mettre l'arc avant les carottes, ce qui en soi serait plus logique. Donc, pareil que il y a une seconde, on va. Ah oui, c'est pas un problème. Hein. Hop là, donc les carottes seront ici. Nickel. Ici, on met. Second bloc est-il vide? Suspense. Absolument pas. Donc ici, on va faire le slash give arrobase p de score minimum pour archer. Archer. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, comment est-ce que j'arrive à copier une zone comme ça, à créer ce petit interstice, bon, cette petite zone qu'après et après j'ai juste à faire CTRL-C, j'utilise la touche Shift et puis les petites flèches du clavier. Et ça, hop là. Ça déplace comme ça la zone. Et c'est très pratique quand on n'en a besoin que de copier qu'une seule partie de la commande. Par contre, dès que je relâche Shift, ça marche plus. Je remets, je relâche. Enfin bon. Là, j'ai oublié le P pour dire que c'est le jour le plus proche. Donc, minimum. Aujourd'hui, on va faire l'archer et le guerrier. Le mage, on fera la prochaine fois. Ou alors, je le ferai à la limite hors caméra. Vous avez compris le principe. Hop là. Cochon de number. On va donner donc un arc, donc Minecraft 2.bow. Minecraft 2.bow. Là aussi, je vais devoir aller sur internet regarder le bench, ce que c'est. C'est peut-être le corps neuf, on va essayer. Alors, donc, on enchante. Même chose que tout à l'heure. Avec le crochet, donc id 2. 48 pour power. Donc, c'est puissance en français. Level 2. On va le mettre au niveau 4. Allons-y. Non, niveau 4, c'est un peu fort. Ouais, niveau 4. Niveau 4. Parce qu'avec ce qui va venir pour le reste. Donc, level 4. On va rajouter. Donc, id 2.49. En espérant que ce soit 49. Je sais pas du tout si ça l'est, s'il faut, ça va être flame. J'en ai aucune idée. Virgule level 2. On se retrouve avec des scissors falling tout à l'heure entre un protection et un protection contre le feu. Donc, ça faisait bizarre. Alors, id 49, level, on va dire quoi pour punch 2. Toujours, mit 1. Parce qu'il a déjà l'épée pour faire du knockback. Alors, on va essayer ça. En remettant bien sûr les fils. Donc, j'utilise comme ça les panneaux qui en fait font un set block ici. Hein. Un set block de redstone là. Ce qui fait que ça active tous ces command blocks. Et celui-là en premier avec celui-là, peu importe. Et il faut juste que cela s'active après celui-là. Donc, c'est ce qui ne se passe, c'est ce qui ne se passait pas au début quand j'ai commencé l'épisode. Alors, donc, est-ce que ça nous a bien donné? Ben, j'ai eu la chance. Et on va renommer cet arc. On va le renommer en un nom rigolo. Allons-y. Hop, virgule. Non. Après, virgule. Display. Display. Deux points. On ouvre une accolade. Name. On ouvre deux points. On ouvre une accolade. On ouvre les guillemets. C'est beaucoup. Hein. Ah non, il n'y a pas d'accolade. Force. Force, je me perds. Est-ce qu'il y a une accolade? Voilà, on va aller jeter un petit coup d'œil sur l'épée. Ah, il y a bien une accolade. Display 2.name. Torréon devant. Juste là. Par contre, après name, il n'y a pas une accolade. Display name, donc. Display 2. On ouvre une accolade. Name 2. Ici, il n'y a pas d'accolade. Après les guillemets, on va mettre par exemple hop là, jeu de fléchette. Flèche, c'est bien. Fléchette. Non, ça fait un petit peu. Hein.
petit peu ridicule comme ça. Il faut fermer une deuxième accolade. On va faire ensuite un dernier give. Donc ici il y a Golden Carotte. Et ici, on va pas mettre Infinity. Est-ce qu'on met Infinity à l'arc? Je pense. Non, on va pas y mettre Infinity. Sinon il pourrait user de ses flèches de façon un petit peu trop forte. On va lui donner 64 flèches. Normalement ça suffira. On ne vit pas si longtemps en arène. Donc Minecraft 2.arrow. 64-0, non 64 suffit. Hop là, donc on va refaire un petit test. On a bien notre sac à dos ici avec nos panneaux, donc je peux me clear histoire de voir ce que ça rend. Hop, j'ai 64 flèches, 16 carottes, un arc qui s'appelle jeu de fléchettes, une épée tourbillon devant, et pour l'instant un Iron Helmet Projectile Protection 3 qui est tout seul. D'ailleurs, on va copier cette commande qui est ici, fail. Ici, on copie. J'ai mis plus de command blocks qu'il ne le fallait, on peut le voir. Alors donc là, c'est plus helmet, c'est chest plate. Je fais dans l'ordre, mais ça n'a aucun intérêt. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Ici, chest. Donc ici, je viens d'y mettre. Hop là, contrôle V. Donc ici, ce n'est plus helmet, maintenant c'est leggings. Et ici, ce n'est plus head, mais bien legs. Et donc, vous voyez, comme ça, on gagne énormément de temps parce que ce sont des commandes plus ou moins similaires. Donc ici, c'est plus helmet, c'est boots. Hop là. Et ici, armor, 2 points, 2 points fit, c'est ça. C'est fit. Donc, on refait un petit test. On se reclaire. Hop là. J'appuie ici et hop, je suis un archer courageux et je suis prêt pour aller me battre avec mon armure qui ne va faire qui va résister énormément hein, face aux autres archers. Donc Projectile Protection 3, c'est du solide, qui va être de la camelote face à Monsieur le Guerrier, et qui va être absolument de la pâte à modeler face à Monsieur le Mage. On verra ça la prochaine fois. On va essayer de faire des trucs sympas avec le Mage. On va essayer de faire des trucs également un peu plus complexes. Donc, à chaque fois qu'une personne mourra, on la fera respawn, par exemple, ici, sur ce bloc-là. Il aura juste à sélectionner un kit en vitesse. Ah, bon. Or là, on vient de voir quelque chose qui est très intéressant à voir et à comprendre que j'ai totalement oublié, en fait. Comment dire? Je vais être obligé de mettre ce command block à côté là, donc en seconde position, et d'abord, avant tout, clear. Clear la personne la plus proche qui a là aussi. Hop là, ça doit être là. Non. Ici, voilà. Qui a la flemme de le recopier. Contrôle C, Contrôle V. Ah mais je n'avais pas copié le robespé. Un robespé. Voilà. Et donc là normalement ce command block devrait quand même s'exécuter. On va faire une vérification que ça marche bien. On a toutes les commandes de toute façon qui vont être. Donc ce command block c'est pas exécuté. Mince. Du coup ça me pose problème. Pas grave, on va le mettre juste en dessous. En fait, ça me plaît pas trop parce que du coup j'ai peur que celui-là s'exécute avant celui-là. Je sais pas à vrai dire. Sinon ça va me clear. Ça m'a donné les carottes avant le katana. Alors ça c'est normal. Ce qu'on va faire c'est ça. À force, je m'y perds. Donc ici, on a le katana. Ici, on a... Mince. Et ici, il y a les carottes. C'est pas ça ce que je voulais faire. Donc ici, on a le clear qui repasse en première position. Avec ici, les carottes. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Les carottes qui passent ici, et du coup, c'était quoi? C'était celui-là pour l'épée.
C'est pas très classe. Alors bon, on essaie encore. Oh là là, c'est-à-dire qu'il y a c'est du cuir partout. Voilà, donc là c'est le katana. Donc là non, si ça suit bien la logique d'il y a 3 secondes, en cliquant là, ça va d'abord me clear, ensuite me donner l'épée et les carottes, et puis me donner stuff. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir ça pour la prochaine fois, donc ce problème de clear, histoire que la personne ne puisse pas accumuler les stuff, ce sera un peu nul. À savoir que lorsque je me tue, je ne perds pas mon stuff, donc ça va éviter également de récupérer le stuff dans l'arène des autres pour devenir invincible. Ce que je ferai également, c'est peut-être que je m'avancerai dans les autres kits. Je ferai le kit mage, en tout cas je verrai avec vous. Alors vous venez de voir dans le chat que c'est bien, j'ai réglé le problème du pseudo dans le Tellro, donc ça marche bien, c'est bien Notch qui nous le dit. Donc ces messages sont publics, sauf celui-là. Faudra que j'en mette un à tout le monde sauf à moi, disant que j'ai quitté la PvP box, parce qu'il y en a un qui dit que je suis rentré. Bon, voilà, nickel. Ton épée tu dois préparer, ça j'ai pas changé pour l'instant. Alors ça fait une très longue vidéo aujourd'hui. Je suis désolé, je sais que ça peut être lassant parfois, pour en avoir regardé plusieurs. Mais si le sujet vous intéresse, normalement elle devrait être intéressante pour vous aussi. Donc voilà, c'était Build un Master 07, en armure en diamant comme il le faut avec une épée en diamant. Si vous n'aviez pas compris dans ces petits stands, je vais mettre des armoires stand histoire d'avoir une petite preview de tout ça. Pour la prochaine fois, j'essaierai également de mettre ici un petit panneau. Ça peut être centré en plus, c'est parfait. Expliquant les règles du jeu, j'aurai juste à cliquer, ça me fera un tellro. Un gros pavé qui m'expliquera les règles du jeu de la PvP Box, les trucs à respecter, à ne pas faire. On construira la PvP Box en dernier, ça je le ferai en multijoueur, parce que la construction massive comme ça, c'est pas forcément très intéressant. Puis ensuite on passera à d'autres jeux. Enfin bon voilà, donc ça va vous faire presque 50 minutes de vidéo, je suis vraiment désolé, peut-être 50 minutes même. Enfin bon, du coup je vous dis au revoir. À une prochaine fois pour hop là, bugué derrière moi. Pour construction d'une map PVP. Allez, à plus.